Prince Harry, il va toucher une énorme somme dans quelques jours et ça ne plaît pas du tout à Kate et William. Voilà une somme qui va mettre du beurre dans les épinards. En effet, le 15 septembre prochain, le jour de ses 40 ans, le prince Harry va recevoir la coquette somme de 8,2 millions d'euros en héritage de son arrière-grand-mère. Pourquoi 40 ? Pour une femme qui a presque vécu jusqu'à 102 ans, on ne peut qu'imaginer que 40 ans semblait être l'âge idéal pour gagner un peu d'argent supplémentaire, quand on est assez jeune. Pour l'apprécier mais aussi assez vieux, et, espérons-le, assez sage, pour ne pas le gaspiller, a expliqué Christopher Anderson, auteur de The King à Fox News. Le prince William et Kate Middleton pas vraiment heureux de voir cet héritage tomber dans les mains du prince Harry. Et cet ancêtre ne pouvait pas savoir que le prince Harry allait poser quelques problèmes à la famille royale. Bien sûr, l'arrière-grand-mère n'aurait pas pu anticiper tous les ennuis qu'Harry causerait au reste de la famille. Je pense qu'elle l'aurait complètement exclu de cet héritage si elle avait su ce qu'il a fait. Mais apparemment, il y en a deux qui ne sont pas vraiment heureux de cet héritage. En effet, pour le prince William et Kate Middleton, le fait que le prince Harry reçoive de l'argent de la famille royale n'est pas vraiment admissible. La reine mère savait qu'il aurait moins d'opportunités et de responsabilités que William. C'était une décision logique et réfléchie, a confié l'expert royal Kinsey Schofield. Toutefois, le prince William a tout de même reçu sa part, il y a 2 ans. Mais selon une source interrogée par Closer, William est assez dégoûté qu'une fois de plus Harry encaisse et ramène des millions dans sa maison de Monte Quito sans lever le petit doigt. En effet, cet argent ne sera pas utilisé sur le sol anglais mais bien investi aux États-Unis. Il ne peut rien y faire, à part secouer la tête, mais si cela ne tenait qu'à lui, Harry n'aurait pas ce salaire. William ne pense pas que son frère soit en mesure de recevoir cet argent et il fait savoir qu'il pense que si est-il une situation assez injuste qu'Harry soit récompensé après le traitement terrible qu'il leur a tous infligé, a poursuivi la source. William et Kate ne font pas du tout confiance à Harry ou à Meghan, donc l'idée qu'Harry profite maintenant de l'héritage de son arrière-grand-mère leur laisse un goût très amer dans la bouche.